bienvenue, chers amis taureaux, pour la lecture des énergies du mois de décembre 2021 concernant votre signe. Nous allons regarder ensemble, comme d'habitude, le message général. Ce message général, ensuite, je le recouvrirai grâce à un deuxième jeu qui nous permettra en fait de voir les conseils du tarot par rapport à cette situation-là, par rapport à ce message-là. Et enfin, à la fin de la lecture, je vous proposerai deux oracles. Un oracle qui nous donnera des conseils sur la situation générale et un autre qui nous permettra de vous donner un conseil ou en tout cas d'envisager quelque chose davantage sur le plan émotionnel et affectif. On va rentrer dans la lecture de ce message et on voit que vous avez une énergie assez difficile, hein. Ça, quand j'ai vu ces deux arcanes, je me suis dit waouh, ça va être compliqué. Effectivement, ça va être compliqué puisque vous avez le 8 d'épée et le 7 d'épée ici au départ de ce message. 8 d'épée nous dit qu'il y a un blocage, notamment un blocage mental. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas encore réussi en fait à dévoiler quelque chose, puisque le 7 d'épée, n'oubliez pas, comme ici c'est un peu illustré dans ce jeu là, on voit que c'est quelque chose qui est caché, sournois, et quelque chose qui est, que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à détecter, que vous n'arrivez pas notamment à mentaliser. Vous n'arrivez pas à mentaliser. Et on voit que c'est vraiment au niveau mental que ça se passe. Vous avez ces deux énergies d'épée, donc on est bien dans le mental. Donc il y a un blocage mental. Votre tête et votre cerveau bloquent quelque chose par manque d'informations, par manque de connaissances suffisantes. Vous n'avez pas suffisamment d'informations pour pouvoir enlever ce bandeau des yeux, pour regarder les choses, pour voir les choses beaucoup plus simplement. Donc vous n'arrivez pas à saisir, à cerner quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à imaginer autre chose, et donc vous n'arrivez pas à imaginer faire un pas en avant pour en fait avancer, pour débloquer, pour lever les obstacles dans cette situation-là. Donc, si je suis bien ici, la signification de ces cartes et surtout ma propre intuition, on sent ici que ce déblocage est conditionné par le dévoilement de quelque chose, par l'accès à une information, par l'accès à des connaissances qui vont vous permettre justement de vous défaire de ces entraves, de enlever ce bandeau, de faire un pas en avant, et surtout ça va vous permettre en fait de sortir de ce blocage mental, parce que si vous voyez bien, la personne n'est pas en danger. On voit que tout ça se passe dans la tête. Donc, c'est vraiment un manque de connaissance ici qui fait que vous ne pouvez pas passer à l'acte, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas lever les obstacles qui se sont posés face à vous parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Donc, entendez bien et comprenez bien, chers amis taureaux, qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose qui vous mettrait en danger, quelque chose qui serait défavorable pour vous. C'est plutôt lié au fait que n'ayant pas assez d'infos, n'ayant pas assez de connaissances, n'ayant pas assez d'éléments pour prendre ma décision, je n'ose pas faire le premier pas. Je n'ose pas avancer. Mon mental me bloque parce qu'il me dit « tu ne sais pas où tu mets les pieds, donc laisse tomber, on laisse vraiment les choses telles qu'elles sont, on reste là où nous sommes parce que là on se sent en sécurité. » Et donc ce manque d'information fait que vous n'osez pas passer à l'acte et donc initier quelque chose, aller devant. Pourquoi je parle d'initiation? Parce qu'on est vraiment dans cette notion-là, à la fin, là où vous vous dirigez, c'est vraiment le nouveau départ. Mais pour arriver à ce nouveau départ, qui soit dans le concret, dans la réalisation, dans la réalité, ou que ce soit dans le mental, dans la clarté d'esprit, en fait, il vous faut passer par ces deux énergies ici, par ces choses-là, par ces éléments-là. Donc vous voyez, vous rentrez dans le mois de décembre avec des énergies pas très agréables, pas très faciles à vivre, et votre défi sera justement de retrouver cette reine de bâton, la reine de bâton qui représente la confiance, l'assurance, elle représente vraiment cette confiance en soi qu'on peut avoir, le charme, la séduction, quelqu'un qui sait qu'il est capable de faire, quelqu'un qui sait de quoi il est capable et surtout quelqu'un qui sait défendre ce à quoi il tient. Et on voit que c'est lié là, les bâtons, votre défi sera vraiment lié au bâton, c'est-à-dire passer à l'action,
mettre les choses en place. Et ici, on a le fameux 7 de bâton. 7 de bâton qui nous dit quoi? Il nous dit, il faut défendre vos valeurs. Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite pourquoi il faut défendre vos valeurs. Vous ne voyez pas les enjeux, vous ne voyez pas ce qui est en jeu actuellement. Mais ne cédez pas, restez bien ancré dans vos valeurs, dans vos principes. Défendez ce qui compte pour vous. Et ça, ce sera votre défi. Ça, ce sera votre défi parce que je crois, étant donné que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, étant donné que vous ne savez pas quels sont les résultats que vous pouvez obtenir, quels sont les résultats que vous allez obtenir. En fait, si vous voulez, c'est comme conduire sans avoir trop de visibilité. Il faut rester dans la prudence. Vous êtes dans la prudence et parfois, vous allez même vous arrêter. Donc, par ce manque de visibilité, notamment mentale, par le manque de projection dans ce qui pourrait se passer, en fait, vous vous sentez bloqué, vous n'osez plus bouger, vous semblez être un petit peu tétanisé. Là, mon corps s'est presque arrêté. Voilà, comme un animal qui est aux aguets du danger qui va arriver pour pouvoir fuir ou pour pouvoir se battre. Vous voyez, le corps est prêt à se battre. Et là, on sent que pour vous, ce sera justement ce défi-là, sera de... Je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, je n'ai pas d'informations et d'éléments suffisants, mais je sais une chose, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je sais ce qui compte pour moi. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise, que je connais et je n'ai pas besoin d'éléments d'extérieur, je n'ai vraiment pas besoin que les autres viennent me dire ou que je dévoile des choses. Je sais ce qui compte pour moi, je sais qui je suis, je peux me faire confiance. Et si vous arrivez dans cette énergie-là, si vous arrivez dans cette approche-là de la problématique, vous allez pouvoir vous défaire ici de ce bandeau et vous allez pouvoir vous défaire de cette entrave de votre corps pour pouvoir faire un premier pas vers beaucoup plus de créativité de votre part. Mais on y arrivera après, on va avancer tranquillement de notre lecture. Et on voit ici, ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée. Vous allez me dire, c'est bien contradictoire. Le 9 d'épée, comme ici l'illustration le démontre, c'est une angoisse. C'est une angoisse, c'est des gens qui sont stressés, c'est des gens qui pensent perpétuellement à une situation. En fait, c'est quelque chose qui est obsédant, qui tourne dans notre tête. On n'arrive pas à s'en débarrasser au point qu'on n'arrive même pas à dormir sereinement. Donc ici, on vous dit, il faut sortir de cette angoisse, de ce stress par rapport, et je pense que c'est lié au passé, parce que vous avez le 6 de coupe ici, qui vient en complément de cette énergie du 9 d'épée. Donc il y a quelque chose qui, du passé, vous angoisse, et je pense que c'est lié à quelque chose qui n'a pas été dévoilé. Il y a quelque chose dans le passé qui est resté soit dans votre inconscient, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore conscientisé, vous n'avez pas encore matérialisé, en tout cas vous n'avez pas ramené ça à votre conscience, ce n'est pas évident et ce n'est pas encore clair pour vous. Donc c'est quelque chose du passé qui n'est pas clair, vous angoisse évidemment, puisque l'angoisse est un sentiment, mais qui vient du fait qu'on a peur, qu'on a une crainte, on craint quelque chose et on ne sait pas ce qu'on craint. C'est ça l'idée de l'angoisse. J'angoisse parce que je ne sais pas si je serai capable, si je pourrais ou ce qui m'attend derrière. Donc cette angoisse est certainement liée à votre passé, puisque vous avez ici le 6 de coupe, où c'est peut-être un événement du passé aussi qui vous angoisse et qui ne vous permet pas de dévoiler toute votre capacité, votre potentiel ici, d'être confiant, d'être charmant, d'être séducteur, séductrice, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est dans toute sa puissance de faire, de réaliser et de défendre ses valeurs, les éléments qui comptent pour soi. Et ce qui est super prometteur, et notamment le 2 de deck nous le dit ici, vous avez ici 2 as. Vous vous dirigez vers un potentiel d'un nouveau départ, tant dans la tête, c'est-à-dire dans le mental. Ici, on sort de ce 9 et de ce 8 d'épée, et on se dirige vers une clarté mentale, clarté de l'esprit. C'est tout le contraire de ce 7 d'épée, c'est-à-dire qu'on prend conscience, on sait, la vie nous fait comprendre un certain nombre de choses, et donc on a le savoir nécessaire intellectuel et mental pour pouvoir faire quoi? Surtout ici, initier un nouveau départ, concrétiser quelque chose. Vous voyez, cette as de denier nous offre ici
La valeur, on va valoriser quelque chose, on va pouvoir valoriser et planter cette première graine pour, comme un jardinier, initier une nouvelle récolte bien sûr qui devra prendre du temps, puisque comme toute récolte, il faut l'attendre, mais ici, cette fin du mois de décembre et début du mois de janvier, on sent qu'il y a une clarté, une prise de conscience qui vous permet d'initier quelque chose de nouveau, mais dans la matière. Là, on est vraiment dans la matière. Donc, ça veut dire ici, pour ma part, voilà comment je l'entends et je le comprends, vous faites un premier pas. Vous faites un premier pas, vous vous êtes défait de ces entraves qui ne vous permettaient pas d'avancer, qui vous ont tétanisé, qui ne vous ont pas permis d'avancer. Et là, vous faites votre premier pas pour vous diriger vers ces énergies beaucoup plus agréables de satisfaction, et c'est-à-dire celles où vous allez retrouver toute votre confiance en vous et tout votre charme et votre séduction. Et ce qui est super intéressant avec le dos de deck ici, on a la roue de la fortune. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que la vie va mettre sur votre chemin. Donc la vie va tourner cette roue et va vous permettre justement d'initier ce nouveau quelque chose, de quitter ces énergies ici qui ne sont pas du tout très agréables. Et ici, si on avait besoin d'une confirmation, ici vous avez 10 de coupe. Ça veut dire que ce que la vie va vous apporter, ça va vous permettre de retrouver une harmonie émotionnelle. Ça va vous permettre de retrouver un bonheur ici, satisfaisant, quelle que soit votre vision du bonheur, quel que soit ce qui compte pour vous. On peut être heureux même quand on est seul. C'est pas parce qu'on est seul et face à soi qu'on est tous malheureux. La première chose à apprendre, c'est de vivre avec soi. Quand on est capable de vivre avec soi, on est capable de vivre avec n'importe qui par la suite. Tout ça pour vous dire, enfin c'était une parenthèse, tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas, même si vous avez ces moments pas simples au mois de décembre, dites-vous que la vie va venir vous donner un coup de main pour sortir de ces énergies pas évidentes, plombantes et même difficiles à vivre, surtout mentalement, parce que là, vous allez angoisser, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais essayez de sortir de cette angoisse pour vous faire confiance et pour faire confiance à vos principes, à ce qui compte pour vous. Regardons justement quels sont les conseils du tarot pour vous. Alors, on a le 3 de coupe ici. On vous dit, allez célébrer, fêter. En tout cas, allez chercher votre réseau. Allez trouver d'autres personnes, peut-être pour apprendre des choses, pour comprendre les choses grâce aux autres. Donc, n'ayez pas peur à aller voir ce qui se passe ailleurs et surtout ce qui se passe ailleurs qui vous donnera des éléments de compréhension, des éléments qui vous permettent de comprendre la situation telle qu'elle se présente. Super. Ici, on vous dit, faites confiance. Tout à l'heure, je vous parlais beaucoup de confiance. Ici, je pense, le conseil est le suivant. Faites confiance à votre intuition. À votre intuition. Parce que le mental, il n'est pas au rendez-vous. Hein. Le mental, au contraire, va vous angoisser, va vous stresser, ne va pas vous révéler des choses parce qu'il n'arrive pas à capter. Voilà, le mental n'arrivera pas à capter certaines choses. Par contre, votre intuition, vous allez savoir des choses sans avoir besoin de preuves, sans besoin de preuves scientifiques. Là, vous le savez parce que vous le savez. Vous le savez parce que votre inconscient vous parle, parce que votre âme vous parle, parce que votre esprit vous parle. Quand je parle d'esprit, autant dire au sens beaucoup plus large que le mental. Donc ici, tout votre corps va vous parler. Et donc justement, écoutez votre corps. Quand je dis corps au sens large du terme, pas que le corps physique, l'ensemble de votre être va vous parler, donc écoutez-le. C'est là que vous allez pouvoir identifier ce qui compte pour vous, c'est là que vous allez pouvoir identifier que vous êtes capable de, et surtout que vous allez dire, oui, je peux retrouver la confiance en moi, et faites confiance à vos ressentis, à vos émotions, à tout ce qui se présente à vous, parce que ce sont des indicateurs pour aller plus loin et pour aller vers un nouveau départ. On a ici le roi de coupe. Yes, ça c'est super, super. On vous conseille de retrouver une certaine maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il n'a pas peur de regarder ses émotions. Il n'a pas peur d'aller voir ce qui se passe au fond de lui, ce qui se passe autour de lui, pour comprendre en fait et gérer l'ensemble des choses par rapport à cette maturité émotionnelle. Lui, l'angoisse, vous voyez, il ne connaît pas ça. L'angoisse, ce n'est pas son affaire, parce qu'il sait très bien que quelle que soit la situation qui va se passer,
Tout ce qui va se présenter à lui, il est capable de gérer. Il est capable, donc, encore une fois, cette notion de confiance, donc il est capable de gérer, il est capable de faire ce qu'il faut faire parce qu'il est tout à fait conscient de toutes ses émotions et de sa confiance en lui. Donc ici, on vous dit, rentrez dans cette maturité émotionnelle et n'ayez pas peur de vous reconnaître à vous-même une certaine maturité émotionnelle et donc de reconnaître votre capacité à faire des choses et notamment votre capacité à défendre vos propres valeurs. On a ici le 4 de denier, 4 de denier qui nous dit « Cherchez la stabilité ». Ce nouveau départ va vous permettre en fait de chercher une certaine stabilité et c'est exactement ici l'idée de ce 10 de coupe, c'est-à-dire une certaine harmonie émotionnelle, une certaine harmonie dans la vie de tous les jours. Alors, qu'avons-nous en conseil ? En conseil général, on a le calice. Je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Là, je crois bien qu'ici, on vous invite à écouter vos émotions, comme ici notre roi de coupe, parce que dans ces émotions-là, la coupe est vraiment représentative de notre vie émotionnelle, de la fluidité émotionnelle. Recherchez la fluidité émotionnelle pour sortir de cette angoisse. Parce que vous êtes capable d'être compatissant, généreux, mais je pense ici, on vous invite à la compassion vis-à-vis de vous-même. Et peut-être des choses qui vous seront dévoilées. Acceptez-les plutôt avec compassion et générosité, peut-être pardonnez aux gens s'ils vous ont fait mal, notamment lié à un certain passé. Donc, pardonnez, pourquoi faire? Pourquoi on pardonne finalement? C'est pas pour dédouaner l'autre de sa responsabilité, surtout pour épurer, pour sortir en fait de cet enfermement dans lequel on peut se situer, pour pouvoir ni plus ni moins nous libérer, nous, de ce qui s'est passé. Parce que le pardon ne libère pas seulement l'autre, il libère surtout celui qui accepte le pardon. Parce que en fait, là, vous allez avoir de la compassion pour l'autre, mais aussi pour vous. Ayez de la compassion pour vous, ayez de la compassion pour cet être, pour cet homme ou cette femme que vous êtes, qui est plein de charme, plein de séduction, qui a beaucoup de choses à offrir au monde. Et voilà d'où sort cette idée de générosité. Vous avez beaucoup de choses à offrir au monde et ça vous permettra à vous d'être heureux et de retrouver ce bonheur, notamment harmonieux, déjà avec vous-même et aussi avec les autres, avec nos fameux 3 de coupe. Oups, ça saute, hein. Alors, on a ici la réceptivité dans la vie affective, la réceptivité qui nous renvoie à l'idée recevez, 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 recevez. Parce que dans la générosité, savoir recevoir, c'est aussi important que savoir donner. Recevez, accepter les choses pour beaucoup plus d'expansion de votre être, de beaucoup plus d'expansion de votre être émotionnel et de votre amour. Donc soyez dans la réception, soyez dans l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire. Non, c'est on accepte la situation telle qu'elle est, mais surtout nous, on prend nos responsabilités et on fait ce que nous avons à faire pour nous. Pour nous, c'est-à-dire on devient cette reine de bâton où on retrouve cette confiance en soi et on défend ce qui compte pour soi. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci, merci de votre visite.